Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment dessiner tous ces petits logos de Spider-Man. Donc voilà, je vous ai dessiné tous les logos avec l'année de sortie des logos. Voilà, ce sont des dessins faciles à reproduire. J'ai également réalisé le petit personnage Spider-Man en noir et blanc. Voilà, très simple également à reproduire. Donc pour les réaliser, j'ai utilisé des feutres à alcool sur des feuilles à petits carreaux. Donc voilà, c'est plus facile à reproduire sur des feuilles à petits carreaux. Avant toute chose, si tu aimes le dessin, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à liker la vidéo. C'est ce qui me permet d'être vu par de plus en plus de personnes. Voilà, je t'en remercie d'avance et on est parti pour le dessin. Donc pour le logo de 1962, on va commencer par faire deux gros ronds. Donc un gros rond et un second qui va chevaucher. Ensuite, on peut dessiner facilement et simplement les quatre pattes sur le côté. Voilà, c'est pas grave si elles sont pas forcément bien parallèles. Voilà, donc on a déjà fini le dessin. Prenez directement votre feutre à alcool. Ensuite, le second, c'est celui de 1978. Donc là, ça va être des formes plus ovales. Voilà, l'arrière assez ovale. La petite tête ronde. Voilà, donc, dans celui-là, on va avoir deux pattes, enfin quatre pattes qui vont partir vers l'avant, deux de chaque côté. Et deux qui vont partir vers l'arrière. Pour le prochain, donc celui de 1994, c'est encore plus allongé. Voilà, donc on vient faire deux longueurs, vraiment des ovales très longs. Et pareil, on va faire deux pattes de chaque côté qui vont aller vers l'avant et deux pattes qui vont aller vers l'arrière. Ensuite, pour l'année 2002, donc là la forme est un peu différente, on n'est pas vraiment en ovale. Voilà, on vient dessiner deux courbes vers le bas. Ensuite, la tête est à peine ronde. Et là, on vient dessiner encore deux pattes vers l'avant et deux pattes vers l'arrière.
Ensuite, pour l'année 2014, on vient reproduire un petit peu le même style d'arrière. La tête un peu plus plate. Donc là, on va avoir deux petites pattes vers l'avant, enfin quatre pattes, deux de chaque côté, qui seront assez petites. Tandis que deux de derrière vont être vraiment grandes, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut sur la feuille. Ensuite, celui-là de 2017, alors celui-là, il est complètement différent. Là, vous allez pouvoir suivre les traits, les petits carreaux de la feuille. C'est le seul qui est aussi différent des autres. Ensuite, pour le 2018, je l'ai réalisé plus grand. Pareil, on fait des formes assez droites pour les côtés, pour l'arrière-train. Ensuite, on vient fermer un petit peu. Là, c'est pareil, on n'a pas une forme ronde pour la tête. Des petits crocs. Là, c'est pareil, on va deux pattes de chaque côté qui vont partir vers l'avant et deux pattes vers l'arrière. Ensuite, on peut venir dessiner donc du coup Spider-Man. Très simplement, du coup, on n'aura que les ombres du personnage. On va faire un beau rond pour la forme du crâne, un grand œil.
Voilà pour le dessin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!